Mais tout à coup, le serpent se retrouve face à un poisson de sable. Celui-ci, très agressif, passe à l'attaque. Mais il rate son coup. Plus rapide, il lui mord la mâchoire inférieure. Désemparée, la couleuvre cherche à se libérer, mais le poisson de sable avec ses mâchoires redoutables ne lâche pas prise. Le serpent qui croyait avoir une proie facile se retrouve en position délicate. Entre les reptiles a parfois des témoins. Impassible, le caméléon observe cette lutte, parfois fratricide. Les espèces se dévorent entre elles. Dans ce cas, le caméléon s'éloigne toujours. Il continuera à observer la scène du haut de l'arbre le plus proche. La façon dont les serpents s'alimentent a toujours impressionné les hommes. La mobilité de leurs mâchoires leur permet d'avaler des proies plus grandes qu'eux et de se déformer pour les engloutir.